Alors, petite actu concernant le cofondateur d'Apple qui critique Tesla et ses fonctionnalités autonomes. Article sur pressecitron.net. Le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, s'est exprimé au sujet de la voiture autonome, affirmant que sa technologie aboutie n'est pas près d'arriver de sitôt. Je ne la vois pas atteindre le niveau 5 de mon vivant, regrettait l'homme lors d'une récente conférence sur l'automobile. Steve Wozniak, le bras droit de Steve Jobs et cofondateur d'Apple le 1er avril 1976, s'est exprimé au sujet de la voiture autonome. Alors que la marque à la pomme fait partie des quelques acteurs à dépenser des milliards de dollars sur la technologie depuis plusieurs années, l'informaticien aussi appelé Woz a fait part de son scepticisme. Il a quel âge lui en fait? Parce que de son vivant quand même. Pour lui, la voiture autonome est loin d'être prête, celle que l'on catégorise au niveau 5, à savoir le niveau maximal dans le développement de la voiture sans conducteur est encore loin d'être d'actualité. Tu dois toujours être prêt à prendre le relais. Et tu sais ce que ça veut dire. Tu dois apprendre à conduire, déclarait l'homme qui n'a jamais mentionné l'Apple Cars d'ailleurs, qui fut un échec retentissant. Lors de sa prise de parole, Woz n'a effectivement pas mentionné les travaux de la marque à la pomme à ce sujet. Pourtant, Apple possède bien l'objectif de proposer sa propre technologie, mais il s'avère que l'actualité au sujet de l'Apple Car n'est effectivement pas très positive. En début d'année, la firme de Cupertino a écarté pas moins de 180 employés de son programme de développement de la voiture autonome, tous occupés une position d'ingénieur, et il est fort à parier qu'Apple souhaite prendre son temps au sujet de la technologie sans chercher forcément à tenir tête aux leaders du secteur, menant une course pour être les premiers à innover sur le secteur de la mobilité. Néanmoins, le projet n'est jamais tombé à l'eau. Un recrutement survenu cet été a d'ailleurs mis au goût du jour le projet d'Apple Car. La marque de la pomme a effectivement récupéré Steve McManus, qui n'est d'autre que le vice-président de l'ingénierie de Tesla de 2015 à 2019, un cadre de haut niveau de chez Tesla, alors que la firme californienne fait partie de ses principaux acteurs travaillant sur la voiture autonome. Paradoxalement, le discours tenu par Steve Wozniak ne fut pas tendre avec la firme d'Elon Musk. Propre à Apple, le cofondateur s'est exprimé en pointant du doigt le travers de Tesla à vouloir proposer une technologie n'étant pas opérationnelle. Mais en même temps, c'est en essayant qu'on arrive aux choses, hein. C'est pas en restant là dans son fauteuil à critiquer les autres entreprises que ça va avancer, hein. Les voitures autonomes Tesla ont montré un nombre conséquent d'erreurs qu'elles peuvent commettre et que le conducteur même le plus stupide ne ferait pas. N'hésitez pas à dire Steve Wozniak alors que l'homme a très souvent été impressionné par l'histoire de la marque de voitures électriques. Son amour pour Tesla vous l'a effectivement rappelé dans son allocution, mais en ajoutant que cet attachement était malheureusement lié à de la haine, du fait que l'homme se soit senti trop souvent berné par les prétentions de la marque à proposer une fonctionnalité semi-autonome. Donc le gars faut qu'il se calme un peu, je pense, déjà. Il a quel âge lui déjà? Donc il a 69 ans et dit que ça verra pas le jour de son vivant. Ah, c'est pas impossible après parce qu'il commence déjà à être âgé. Donc je sais pas quand c'est qu'il va passer l'arme à gauche, comme on dit, mais bah, s'il meurt dans 10 ans, oui, c'est sûr que dans 10 ans, je pense pas que le niveau 5 sera atteint. Hein. Moi, je dirais qu'il faut peut-être 15 ans minimum. Je sais pas, après avoir, peut-être qu'ils vont découvrir un truc hyper technologique qui va faire en sorte que les voitures Tesla soient d'une intelligence suprême et puissent remplacer un homme. Mais, pour l'instant, bon, c'est pas le cas, hein, clairement. Par contre, oui, il va falloir qu'il se calme un peu envers Tesla. On sent limite de la frustration dans ses propos, quoi. Bref, voilà. C'était la petite allocution de Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir à ses propos. Ciao!